Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17, les amis. Je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage du jour. Alors, on se retrouve pour notre lundi 13 mai 2024. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, les amis. Alors, le 13. 3 et 1, 4. Alors, le 4, on l'aime pas beaucoup parce que on a l'impression d'être un peu dans des blocages avec le 4, dans des restrictions ou des retards. En tout cas, des difficultés en tout genre peuvent se présenter. Mais le 4, il est également pour là, pour vous dire, eh bien, stop. Stop, tu n'es pas dans la bonne direction. Stop, tu n'as pas pris peut-être la bonne décision. En es-tu sûr? Côté professionnel, avec le 4, on doit redoubler d'efforts. Alors, bien sûr, c'est un bon chiffre si on travaille beaucoup, c'est-à-dire pas hésiter à remonter ses manches. Côté sentimental, on est dans la relation sereine, la pérenne. On est plutôt vraiment dans une perspective de relation solide. Alors notre 4, avec ses côtés positifs, bien entendu, on est travailleur, on est logique, on est bien ancré et bien ordonné, hein. On a le sens du détail en fait. Côté négatif, on peut se montrer lent, têtu, campé sur ses positions, vous voyez, en fait. Et surtout être matérialiste. Alors, notre lundi associé à la lune, les émotions, les amis, la création, la féminité, tout ce que l'on aime, le partage, l'intuition. Couleur associée à notre lundi, le blanc et le jaune pâle. Voilà. Eh bien, on va regarder tout de suite, les amis, un message avec augure blanc pour notre journée de notre lundi 13 mai 2024. Voyons voir un petit peu. Mugueté. Ouhouhouhou. Des petits mécanismes de séduction aujourd'hui, hein, qui sont à l'œuvre. Alors, bien, c'est simplement une émotion particulière aujourd'hui qui peut subvenir, qui peut arriver comme ça à l'improviste. Vous pourriez vous faire l'objet justement d'attention ou de compliments, ou bien vous-même, vous allez peut-être faire un pas vers quelqu'un, que peut-être quelque chose, quelqu'un que vous convoitez secrètement depuis longtemps, et aujourd'hui, eh bien, vous allez y aller. C'est la journée rêvée pour se rapprocher de la personne, de la situation, pour séduire, mugueter. C'est vraiment le côté des petits propos galants pour cette journée. Allez, on va regarder avec notre jeu de monsieur le 32 pour notre lundi 13 mai 2024. À la coupe, nous avons une officialisation là. Peut-être question d'un banquier, d'une personne en lien en tout cas avec le finance, un juriste, un notaire, un juge, un avocat, une personne assermentée en tout cas. Il est question d'argent là cette semaine, enfin en tout cas pour cette journée je veux dire. Vous allez décider quelque chose les amis qui vous a demandé pas mal de minutie ou peut-être de la patience d'ailleurs. Eh bien on va signer un contrat, on va acter quelque chose. Ça peut avoir été un peu contrariant, hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bref. Alors, au dos, on a, ça peut être votre chéri s'il est plus jeune que vous de quelques jours, semaines, mois, mais ça peut être, on retrouve une situation un petit peu qui vous a mise en colère par rapport à une officialisation avec un homme en colère. Une situation peut-être contrariante, mais qui a demandé également de la patience et certainement beaucoup de minutie, de précaution à mettre en place. On voit que ça peut être la même personne, c'est vraiment aujourd'hui, la journée est axée sur quelqu'un de totalement officiel. Mettez-le bien entendu à votre situation, les amis. Vous pouvez avoir affaire à l'autorité
connecté à la justice également, qui peut justement vous poser quelque chose de délicat. En dominant, nous avons eh bien ce côté retard, ce côté quelque chose qui va vous contrarier puisqu'il y a un contretemps. Ce contretemps, il peut être en lien avec une signature, un engagement, un contrat que vous comptiez peut-être signer et qu'il va y avoir légèrement une contrariété, d'où aussi peut-être cette colère que l'on a pu voir tout à l'heure. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très clair autour de cette situation. Il y a anguille sous roche, comme l'on peut dire. Maintenant, vous pouvez être en lien avec des gens qui sont également... Il y a de la trahison, il y a de la traîtrise, quelque chose qui n'est pas honnête. Ça peut être en lien avec des papiers administratifs, il peut y avoir une situation justement d'un décrit qui va être très contrariant, mais il peut également qu'il y ait quelque chose en lien avec une jeune fille brune aussi. Il peut être question, bien entendu, d'argent, hein, de finances, hein, avec le trèfle. Hein. C'est bien pour vous, ma consultante, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Mais ça peut être une situation en lien avec votre maman. Vous avez fait des démarches dans ce sens. En tout cas, une personne plus âgée autour de vous. Ça peut représenter votre papa, donc ça veut dire des démarches concernant vos parents. Maintenant, on voit ici votre homme de cœur, une personne qui compte particulièrement pour vous, émotionnelle, sentimentale, c'est la protection, c'est quelqu'un qui est très proche de vous. On voit qu'il peut y avoir une situation d'énorme chamboulement pour votre chérie, ou bien une situation, comme je disais, en lien avec vos parents, des personnes plus âgées autour de vous. Peut-être justement qu'il y a quelque chose qui va être comme une trahison, comme une malhonnêteté, et ça apporte un énorme changement, un gros chamboulement. Il peut y avoir aussi carrément la rupture d'une situation. C'est des beaux projets qui sont là, donc c'est un énorme chamboulement qui peut arriver également en lien pour vous, ma consultante, avec votre homme de cœur, hein, avec votre chéri. En tout cas, il y a de la protection autour de ce grand projet. Ça peut être en lien avec cet homme, la même personne, votre chéri, quelqu'un qui présente bien, mais qui est très protecteur également, qui est très amoureux, on va dire. Il y a des projets avec cet homme, ou en lien en tout cas avec cet homme. Et c'est un succès, les amis, un franc succès, vos projets. C'est en lien avec une autre ville, un autre département, une autre région. Ça peut être en lien avec une personne d'origine étrangère ou qui habite au lointain, mais vous-même avez des projets peut-être également de voyage, de vacances, d'une destination un petit peu lointaine. Ah, attention, nous avons une tierce personne qui peut vous poser, ou en tout cas essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez peut-être envie également, vous, de vous éloigner d'une personne qui n'apporte rien, qui est très négatif dans la vie autour de vous. Attention à cette Dame de carreau. C'est que du bonheur, vous avez la carte la plus forte, donc ça veut dire que vous emportez tout sur votre passage. C'est beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de beaux ressentis là, très forts et d'excellentes nouvelles. D'ailleurs, collé à cette as de trèfle, ce n'est que magnifique. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui a peut-être été un tout petit peu retardé dans vos projets. Mais en tout cas, vous actez une signature. Après, on peut voir une personne qui peut-être vous a occasionné quelques tracasseries dans vos démarches, dans vos projets. On voit que ça peut être en lien avec votre chérie. Ça peut être en lien avec des personnes âgées autour de vous, en l'occurrence vos parents. Il peut y avoir une certaine trahison hein, dans vos projets. Mais vous avez de toute façon la carte la plus forte avec un grand succès. Donc, il y a un énorme chamboulement qui va arriver sous forme d'ailleurs de courrier, de papier administratif. Alors, avant de recouvrir nos vilaines cartes, on va regarder les 7. Non. Les 8. Non. Les 9. J'en ai vu 1, 2 et 3. 3-9, les 3-9, c'est on y est presque. Encore un petit peu d'effort pour persister, mais on touche au but. Les 10, alors, les valets, un seul. Les dames, 2. Les rois, 3. Nous avons la protection, les amis, une belle protection spirituelle. On est presque au succès, on va y arriver de toute façon avec cette as de trèfle. Hein, ça ne peut être que positif et c'est 9 de cœur. Ça peut être une belle histoire sentimentale également qui démarre alors que qui est là, qui est présente, alors qu'il y a eu peut-être des tierces personnes qui ont essayé de mettre la pagaille hein, également. Et les as, il y en a 2. Alors, je vais mettre une dame de carreau et valet de pique, on va voir un peu une deuxième information. Dame de carreau et valet de pique.
C'est une situation des plus officielles. Alors attention, prudence, hein. Ça peut être vous qui avez le dessus sur un litige, un problème de... Tout à l'heure, on a pu le voir, d'administration, de litige, de justice. Eh bien, il semble que de toute façon, ça va se retourner à votre avantage, les amis. Ça va vous déclencher une colère. Ou bien la tierce partie en face de vous va être en colère, tout simplement, parce que vous, vous avez vraiment une très bonne réussite. Alors, on voit bien qu'il est question de papiers administratifs qui ont été retardés, en tout cas. Une légère faire preuve un petit peu de patience sur ces papiers administratifs. On voit qu'une situation qui est liée au lointain va prendre fin. Il va y avoir un très gros chamboulement et concernant les projets. De ce fait, c'est un succès. C'est une réussite, les amis. On voit également beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, ma consultante, en lien avec une situation peut-être avec votre maman, mais ça peut être vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine. Vous allez acter quelque chose par rapport à une situation qui était litigieuse. Peut-être que la tierce personne en face de vous va se mettre en colère d'ailleurs, mais vous avez le dessus. Et vous allez acter, vous allez vous mettre d'accord, quelque chose de très officiel en lien avec votre situation qui peut toucher votre papa, mais aussi une situation qui peut toucher votre homme de cœur. Peut-être aussi qu'on est sur une séparation, un litige qui enfin va se signer grâce à cet homme ou en lien avec lui. Et on voit très bien qu'il y a un revirement de situation, qu'il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour notre journée du lundi 13 mai 2024. Oups là. Les nouvelles qui arrivent là, hein. Alors, on voit bien un verdict qui arrive, vous en rêviez, vos rêves vont se mettre, et ben ils vont être exécutés, parce qu'il y a un verdict qui tombe, les amis, on a vu tout à l'heure d'ailleurs, hein. Un verdict avec des gens qui vous avaient mis à mal. C'est un gros travail sur vous-même et c'est peut-être en lien d'ailleurs avec le litige du travail. Il y a eu de la trahison autour de vous. Ah ben, ça prend fin parce qu'il y a un verdict qui tombe comme on a pu le voir également avec le jeu de 32. Alors, nous avons ici pour vous, ma consultante, la chance, le retour d'une situation qui arrive, quelque chose qui traînait depuis très longtemps, va se présenter plutôt positif à vous. Enfin, il y a un retour de, je veux dire, de situation très positive, qui est pour vous directement, ou en tout cas en lien avec vous, votre situation, votre vécu, ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. On voit très bien que ça peut être en lien avec un héritage, mais ça peut être aussi quelque chose qui perdure depuis un moment où on était en attente. Eh bien, les choses évoluent favorablement, les amis. Nous avons ici les rêves. On a pu voir que vos rêves allaient se réaliser, allaient se mettre en place. Attention toutefois toujours à ce petit serpent, hein. Il y a des rêves émotionnels, sentimentaux, des rêves de mettre en place quelque chose de nouveau sentimental, ou bien en tout cas en lien avec le côté très émotionnel. Ces rêves vous impactent très très émotionnellement. C'est normal, les choses vous font plaisir. C'est en lien avec une femme, mon consultant, ou c'est peut-être en lien avec une femme autour de vous, quelque chose de beau, d'émotionnel qui est là, qui arrive, enfin, les rêves, on en rêvait, eh bien, ça se passe, ça arrive. Le changement, eh oui, le changement est là, les amis, en lien avec une femme, la femme la plus proche de vous, en tout cas, il y a des changements qui s'opèrent. On voit que c'est la victoire, c'est une joie qui arrive. Ce côté peut-être justement inattendu, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quelque chose de beau qui arrive là, il y a beaucoup de chance, hein. Vous avez la victoire, vous qui ont... occasionne beaucoup d'émotions, une victoire sentimentale aussi sans doute pour certains. On démarre quelque chose de nouveau. Pour d'autres, il peut être question d'apprendre une naissance et ça met en joie, bien entendu, c'est que du bonheur. Il y a une situation qui prend fin là, on ferme une porte, on en ouvre une autre et c'est pour ça qu'on va vers ce changement d'ailleurs. Certes, je vous l'ai dit, ça a demandé un peu de patience, peut-être aussi qu'il y a eu un tout petit peu de retard, hein.
En tout cas, on se sépare de tout ce qui ne convenait plus. Ça peut être une séparation comme on l'entend. On a pu voir tout à l'heure qu'il y avait un jugement qui pouvait être rendu, hein. Que ce soit un jugement de divorce ou autre, hein, d'ailleurs, hein. En tout cas, il y a une séparation qui est actée. Et c'est doublement acté puisque nous allons signer quelque chose et se mettre d'accord. Certainement qu'on quitte la trahison, hein. C'était certainement en lien avec ça, cette séparation d'ailleurs, hein. Et oui, on démarre quelque chose de totalement nouveau. On recrée un nouveau jardin, on plante de nouvelles graines, les amis, et on a, grâce à une réunion, grâce à un organisme également, on peut démarrer quelque chose. Alors cet organisme est un tribunal, un jugement, enfin, un endroit où on acte justement une situation. On voit qu'on a ces rêves qui sont là, il y a eu de la trahison, hein. Donc avec un peu de retard, on a la victoire, on a la joie. Ça peut être une situation sentimentale, émotionnelle, mais c'est tout simplement dans la vie de tous les jours ou le travail. On a pu voir aussi qu'il y avait quelque chose en lien avec le travail également, hein. On voit que vous démarrez quelque chose de nouveau avec une femme ou en lien avec une femme. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent d'un organisme qui permet d'acter quelque chose et du coup, il y a une situation qui prend fin. Alors, on se sépare de quelque chose, de quelqu'un. En tout cas, le changement, il est bel et bien là, les amis. Vous pouvez apprendre aussi une naissance ou une grossesse, puisque de toute façon, nous avons les deux. Mais on voit très bien qu'il est question de vraiment de recréer quelque chose de totalement nouveau. La trahison, il y a eu pas mal, peut-être une forme de jalousie autour de vous également. De toute façon, vous quittez tout ça, puis regardez, vous avez la chance au dos. Vous avez plutôt un beau tirage, les amis. Pour cette journée, il y a des énergies qui sont plutôt, pour l'instant, on va dire « cool ». J'espère que M. Béline ne va pas nous faire mentir. Allez. M. Béline, pour la journée du lundi 13 mai 2024. Un éclaircissement dans le travail, dans l'activité de tous les jours également, hein. On voit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre de mettre en lumière une situation, d'avoir des éléments nouveaux, les amis, sur quelque chose qui enfin va changer. Quelque chose qu'on ne veut plus, qui ne convenait plus d'ailleurs, ou qui avait été détruit, eh bien le changement est là grâce à des nouvelles qui vont arriver. Une... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos, nous retrouvons cet éclaircissement, ces nouvelles qui arrivent, regardez ça. Vous allez pouvoir retrouver une certaine tranquillité, un beau lâcher prise. On va pouvoir se reposer enfin grâce à ce changement qui arrive. Vous allez avoir connaissance de documents, de papiers, quelque chose va s'éclairer et va vous permettre effectivement d'aller droit sur ce changement qui va vous occasionner vraiment un beau lâcher prise, quelque chose de joli, une mise en lumière qui va vous aider également à aller vers ce renouveau. Nous avons une situation en lien avec un homme, c'est pour vous peut-être mon consultant, mais ça peut être aussi pour l'homme le plus proche de vous, ma consultante. Dans son travail, dans son activité, dans ce qu'il souhaite mettre en place, nous avons un homme également autour de vous dans votre activité. C'est que du bonheur, c'est que de la joie en tout cas, avec lui ou pour lui. Nous avons ici de l'amour, des sentiments partagés, en tout cas quelque chose qui est très sincère par rapport à vos sentiments. Eh bien, il y a de l'inattendu qui se présente à vous, les amis. Peut-être que vous avez rencontré également quelqu'un et c'est inattendu ce qui se passe ici, maintenant. Vous allez être écouté, entendu, reconnu, enfin, peut-être mis à votre juste valeur, une certaine reconnaissance également. Et c'est la réussite. Ça peut être une belle réussite sentimentale par rapport à une nouvelle rencontre, hein.
mais ça peut être tout simplement que l'on n'aime pas fortement ce que l'on a souhaité mettre en place et on a la réussite. Hein. Ça peut être dans le domaine du travail. Hein. C'est quelque chose qui vous étiez très attaché, vous étiez très lié à cette situation, en tout cas, eh bien, vous avez la clé. Vous avez des solutions si problèmes rencontrés, en tout cas, et des solutions pour continuer à mettre en place la situation. Vous allez découvrir des choses, sans doute avez-vous découvert des choses, c'est ce qui vous permet d'aller d'ailleurs vers la réussite et de mettre en place quelque chose. On voit très bien aussi que vous avez un appui magnifique, merveilleux, l'appui dans tout ce que l'on vient de dire, doublement les amis. Vous avez l'appui sur les cancans éventuels qu'il peut y avoir, mais ça il y en a tout le temps, hein. Voilà, et il y a méchanceté également. Il se peut aussi que vous soyez très lié, vous étiez très lié à quelqu'un qui a fait preuve de méchanceté autour de vous, mais en tout cas, vous avez des solutions pour mener à bien cette situation, pour lequel vous allez découvrir comment faire et vous avez la réussite. Effectivement, ça peut être émotionnel, sentimental également. Maintenant, pour d'autres, dans le niveau professionnel ou ce qu'on souhaite mettre en place dans la situation, vous allez avoir une belle reconnaissance là, hein. C'est que du bonheur. Vous êtes fortement lié et impacté d'ailleurs à cette situation, ça vous touche de près. Vous avez une belle protection sur la méchanceté et les cancans. De toute façon, vous allez le découvrir et ça va. Vous allez avoir les clés qui vont vous permettre justement de retourner tout à votre avantage et vous allez aller vers une très très belle réussite. Il se peut aussi que tout ceci soit autour de la rencontre avec un homme également. Allez, j'en mets une sur les cancans là, puis la méchanceté. N'oubliez pas que vous avez l'appui, donc c'est plus ou moins quand même atténué. Alors, les cancans, eh bien, c'est dans la maison, dans le foyer. Vous allez avoir un beau lâcher-prise. Hein. Vous allez pouvoir complètement vous reposer et passer à autre chose. Certainement qu'on a aussi peut-être une situation qu'il y a eu familiale. Ça peut être en couple avec un homme, ça peut être avec un membre de la famille. Hein. Même si litige il y a eu, on voit très bien que vous avez la réussite, les amis, et que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus agréable et de plus sympathique. Mais ça peut être également avec un homme au niveau émotionnel et sentimental. Hein. C'est plutôt, comme je le disais, un beau tirage pour notre lundi. Ça fait du bien. Allez, on va prendre une petite carte avec l'oracle de l'océan pour chacun. Balance. Destination. Mets les voiles vers un nouveau cap. Tu peux encore découvrir tant de choses. Empathie. Gémeaux, il n'y a plus à découvrir sous la surface, il y a plus à découvrir sous la surface qu'il n'y paraît. Ose t'ouvrir aux possibilités du monde et des autres. Scorpion, danse. Inspire-toi du clair de lune dansant sur la surface de la mer. Vierge, ancrage. Ancre-toi à la terre afin de rester centré sur toi-même et te protéger des mauvaises énergies. Taureau. Communication. Les non-dits n'atteindront jamais le rivage. Capricorne. Persévérance. Garde le cap. Tu finiras par arriver à destination. Cancer, nature sauvage, crois en ta beauté naturelle, surnaturelle, danse avec les vagues et bois le soleil. Sagittaire, patience, la marée montera quand elle sera prête, ne t'agite pas inutilement. Poisson, plongée. Tu ne trouveras pas de perles au bord de l'eau, ose aller dans les profondeurs. Bélier, chance, laisse la mer déverser sur toi ses merveilles. On ne sait jamais ce que la marée peut apporter. Lion, force.
Reste à flot, sois stable et calme. Cela t'aidera à avancer sur ton chemin de vie sans agitation inutile. Verseau, écoutez. Tu percevras les secrets de la mer lorsque tu écouteras le chant des coquillages. Ralentis et sois attentif à cette petite mélodie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre lundi 13 mai vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence et votre fidélité à ma chaîne les amis. Merci pour vos commentaires. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à demain.